Hello, hello les potos, c'est Shen Glacier, voilà, sur Division 2 pour un build avec le Memento, voilà, le sac. Alors je crois que j'en ai jamais fait encore de build avec ce sac. J'ai très peu joué avec, mais c'est un super sac. Voilà, alors il y a de la protection dessus, il y a un tiers de compétences, il y a du dégât d'armes, voilà. Moi j'ai mis un mode de probabilité de coup critique. Alors ce sac, tout le monde le connaît, hein. Il est super. Il faut rusher, ramasser ce qui tombe pour avoir de la protection. Donc il faut toujours avancer sur les mobs. Alors, là j'ai mis les 4 pièces Unbreaker. Pourquoi? Ben, comme je vais avancer, je vais prendre le fusil à pompe. Je vais prendre de la protection encore plus. Et en plus de ça, une fois que je serai stacké en protection, eh ben, j'aurai... le fusil d'assaut vraiment pour les découper. Voilà. Un fusil d'assaut que tout le monde connaît. Ligne parfaitement plate. Pour les dégâts d'armes accrus de 20% contre les ennemis touchés par une impulsion. Alors, pour pas avoir le scan à mettre, hein, comme d'habitude, vous mettez la spécialisation, le lanceur. Voilà. Comme ça, vous pouvez mettre le petit pointeur. Voilà. Pointeur laser lié à la spécialisation. Comme ça, vous n'avez pas besoin de les scanner. Direct, vous visez sur les mobs, ils sont scannés. Et vous faites des dégâts directement. Alors, pour taper un petit peu plus fort, on a mis les genouillères Overlord. Voilà. Pour avoir du dégât sur cible non abritée. Comme forcément, on va rusher dessus. Ils vont pas rester abrités longtemps vu qu'on va les bouger. On va aller dessus, donc on va leur faire des dégâts. Voilà. Comme ça, vous savez que c'est une pièce indispensable, comme le gant, celle-ci. C'est les pièces en jaune, c'est un multiplicateur de dégâts. Alors, après, moi, là, je l'ai joué, bah, c'est en héroïque. Alors, j'ai voulu jouer un peu plus DPS. Mais je peux jouer aussi avec, voilà, avec 3 pièces bleues. Pour être encore mieux tranquille, quoi, on va dire, dans ces savates. Donc moi, pour l'instant, je le joue qu'avec 2 pièces bleues, parce que là, je suis en héroïque et ça passe tranquillement, ça passe crème. Donc, ce stuff-là, tout le monde le connaît aussi, hein, dégâts de fusil d'assaut, dégâts de fusil mitrailleur, voilà. Tout en rouge, de la proba, le gilet, c'est pareil. Du dégât de coup critique, un mode de dégât de coup critique, les gants, pareil. Le holster que j'ai mis de la protection avec de la proba. Voilà, on va chercher la proba. 50% de probabilité de coup critique et 81% de dégâts de coup critique. C'est un peu bas les dégâts de coup critique. Ouais, je pourrais changer un mode. Mais ça marche très bien comme ça. Voilà. Alors après, moi, j'ai mis le Régulus. Voilà, le pistolet, hein, c'est pour s'amuser. Voilà, quand vous rushez, par moment, vous pouvez faire des dégâts d'explosion devant les portes. Vous faites un headshot et boum, vous les couchez. Alors, j'ai mis le leurre. Là, quand vous avez des renégats, ça serait peut-être mieux de mettre un piège électrique ou de la mousse, voilà, pour les figer, puisque vous allez rusher dessus. Parce que le leurre, c'est pas terrible, franchement, je trouve, pour ma part. Alors, le leurre, c'est bien, par exemple, ce build, si je vais faire du légendaire, voilà. En légendaire, le leurre, il marche plutôt pas mal avec ce build-là. Avec un peu plus de protection, bien sûr. C'est un super build que je conseille, franchement. Il est facile à monter. Voilà. Le petit bouclier, bien sûr. Celui-là. Voilà. Franchement, j'aurais pas pensé autant me régaler. Parce que
Le Memento, moi, je j'accrochais pas trop. Je jouais avec la PM. Et là, avec ce nouveau build là, maintenant, franchement, il marche. Pour moi, je trouve qu'il marche super bien, quoi. Franchement, voilà. Il marche super, super, quoi. Franchement, un régal. Tout ce qu'un héroïque est en dessous d'héroïque, c'est même pas la peine. Vous allez vraiment courir. Donc voilà, les amis, pour ce build là. Vraiment un super build. Pour faire les points de contrôle, tout ce que vous voulez assez rapidement. Voilà les amis. Allez, je vais vous faire voir ça dans une petite héroïque. Allez, let's go. C'est parti pour essayer ce build avec vous. Oula. Signe vitaux. Qu'est-ce que je fais? Il sort d'où lui? Agent à terre. Un autre agent a rejoint votre groupe. Eh ben ça commence fort le début. Allez, peut-être que je me mette dans la partie. Est maintenant dans votre groupe. De son trou, agent, ruiner son complexe. L'accès au tunnel, si vous voulez pas vous faire submerger par les nettoyeurs. Et en plus, vous empêcherez comme les diables. Ouais, il suffit de se mettre dedans. Hein. Et ça passe tranquille. Voilà. Avec ce bulle de là. Je vous conseille de saboter tout ce que vous pourrez dans la raffinerie de pétrole des nettoyeurs.
Ça rendra Conley folle de rage. Et elle finira peut-être par se montrer. Alors je vous fais voir sur cette mission là parce que c'est une de mes quotidiennes à faire. La division progresse dans le complexe. Donc je profite en même temps. Quel truc ils refroidissent, mais ça doit pas aimer la chaleur. Faites le nécessaire pour désactiver les pompes, agent. Ça risque d'être amusant. Il y a d'autres pompes de refroidissement. Vous savez quoi faire. Système de refroidissement contrôlé. Vous voyez, vous avez dit qu'on allait s'amuser. Ah, c'est un super build, hein, franchement, je le conseille. Elle attaque notre production pour détruire notre précieuse ressource. Si vous voulez rusher comme un gros cochon, c'est ce build là.
Conley sur le tanker. Elle a traversé la zone de rupture au milieu. Continuez, vous y êtes presque. Voilà, moi j'ai ce projet-là à finir. Écho détecté à proximité. En même temps, je vous fais voir ce build là, vraiment qui marche vraiment très très fort. Détecté. Ouh, impeccable. Les agents Renégat. Je vais pouvoir tester ce build. Faire attention à aller pas trop devant pour pas tomber. Parce que je pourrais plus aider mes poteaux. On va voir. On va le gérer un petit peu mi-distance. Ouais, heureusement qu'il y avait sa roche de soins. Allez, j'ai pris un coup de soin, il m'a pas compté. Un agent a besoin d'aide. Moi. Oh là là. Aïe aïe aïe. Allez, bouge. Traumatisme. C'est pas possible à vite côté.
Il m'aurait manqué un petit peu de protection. Je pense que j'aurais peut-être mis une pièce en bleu avec de la protection. Ça aurait été peut-être un petit peu mieux. C'est un bulle de là qui est fait pour aller au contact, alors rester un peu plus loin pour les chasseurs, j'ai pris cher. Vanne de gaz détectée. J'ai un visuel sur Conley. Elle est montée sur le pont supérieur. On dirait qu'elle se prépare à l'affrontement. Elle ira. Après, il aurait peut-être fallu que je mette la mousse ou, pour pouvoir les figer. Elle est vraiment dessus. De mettre le leurre là, surtout sur les chasseurs, à la place du leurre vous aurez mis ouais, la mousse ou un piège qui fait que ça les fige. Il y a aussi le fusil à pompe, le Scorpio. J'aurais pu mettre. Il y a pas mal de possibilités sur ce build là. Après, c'est au choix. Hein. Moi, j'aime vraiment bien le jouer comme ça. Ou avec. Voilà, j'ai le masque aussi en, avec de la protection. Je peux le mettre en bleu. Ça me fait 3 pièces bleues. Là, je l'ai mis en 2 pièces bleues. Parce que je voudrais avoir un petit peu plus de DPS en héroïque. C'est plus facile. Ah, c'est un bulle qui marche super bien au contact. Hein. Faut pas avoir peur d'y aller. De toute façon, le Memento, c'est un bulle fait pour avancer. Hein. Alors c'est sûr que ce build là, pour aller looter rapidement, c'est impeccable. Hein. Franchement,
Vous allez vraiment pouvoir looter très rapidement. Et tout ce qui est en dessous d'héroïque encore, ça va être encore plus rapide. Alors moi je suis pas trop bourrin normalement parce que j'ai toujours l'impression quand vous bourrinez de moins apprécier le jeu quoi, parce que vous êtes tout le temps en mode speed courir. On dirait que vous êtes sur la bonne piste. Bon, là, je l'apprécie quand même, franchement. Hanley est dans la salle de contrôle. Préparez-vous. Un bon but. C'est le moment d'en finir. Je vois qu'il y en a quand même pas mal qui le jouent. J'aurais dû prendre mon PM. Mon fusil d'assaut. Oh, cette tour là-bas. Par contre, vous êtes stacké, ben vous tapez. Il doit y avoir une source d'alimentation sur sa structure. J'imagine qu'on peut la détruire. Aller les aider là-bas. Allez, je peux. Ah.
Allez, rentre. Elle va pas rentrer. Hein. Allez, non, mets-toi de l'autre côté. Aïe, 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 je me mets là, je me mets devant. Il est mort. C'était du grand spectacle. Ah, j'ai du mal par moment, moi je joue à la manette. Un peu excessif à mon Donc la manette elle commence à être un peu foutue, on va dire. Vous avez réussi à arrêter la production des nettoyeurs. Kinner ne pourra plus utiliser Conley pour cibler la GTF. Commence à être fatigué. On a progressé sur sa piste. Bravo, agent. Un agent n'est plus dans votre groupe. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Ah, bah vous voyez, c'est pas mal ce qu'on a fait, hein. On a rushé. Voilà. Un agent a quitté votre groupe. Vous n'êtes plus d'un groupe. Voilà pour ce build, les amis. Un super build, franchement, vous vous régalez avec. On va regarder les stats. Voilà, 50 de probabilité de coup critique. Voilà, les amis. À peluche.